l'animation jeunesse. C'est bah, tout le monde qui travaille pour l'éducation urbaine. Donc Mounir Hadji, coordinateur jeunesse à la mairie de Rouville-Saint-Clair. Votre fonction dans cette MJC. Ce pôle animation et jeunesse. Pôle animation et jeunesse. Voilà, en fait, ma fonction a deux axes principaux. C'est la première, c'est de coordonner l'ensemble des actions qui sont portées par le service jeunesse de la mairie d'Hérouville-Saint-Clair en direction des publics 11-17 ans sur la mise en place de projets artistiques, culturels et sportifs. Donc cette année, c'est la 10e édition du Festival des cultures urbaines. Chaque territoire propose, suivant les compétences de ses agents ou de ses prestataires, un certain nombre d'animations dites urbaines. Alors c'est tout ce qui est sport urbain, activité artistique principalement. Moi je travaille ici il y a à peu près 10 ans, un peu moins de 10 ans. Après je suis parti travailler dans une structure en tant que coordinateur administratif sur le quartier La Pierrosée, donc qui dépend de la ville de Caen. Après j'ai un parcours où j'étais responsable d'un magasin prêt-à-porter, deux années d'éducateur spécialisé. Et même en dehors de mon travail, parce que je ne travaillais pas dans les structures associatives, je faisais quand même la présentation parce qu'ils me sollicitaient à chaque fois. Pour eux, ça leur plaît. Et moi, je défends toujours l'accès aux loisirs, le lien aux familles, le lien aux enfants, aux ados. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec les petits, avec les grands. Donc, j'étais aussi éducateur spécialisé. Donc, faire la prévention, discuter, voilà, tout à fait. Donc, combien d'un parcours, j'ai grandi ici à Hérouville. Hein. Je sais le quartier, ce que c'est le quartier de Gentil. Hein. Voilà. Donc, on a fait aussi des bêtises dans nos vies. Ça veut pas dire que même si on fait des bêtises, on n'est pas des gens bien. On peut s'en sortir. On peut sortir quand on veut. On peut. Voilà, tout à fait. La phrase que j'aime, c'est quand on peut. Tout à fait, malgré les barrières. Voilà, il y a des barrières parfois. Moi, je suis là pour vous présenter, animer, expliquer, mettre en valeur les jeunes ici sur scène. J'avoue que moi aussi je suis intéressé par ce métier-là. Voilà. Moi aussi je suis intéressé par ce métier-là, de monter sur scène, et d'avoir le micro, de parler, de les faire rigoler et de même temps présenter. Voilà. Mais je sais que moi je parle, mais quand je vais être aussi comme toi, silence. Voilà. Le mot de pause, ouais. Mais après, petit à petit, commencer à être. Et après, de se mettre bien dans le bain, de faire rire, de faire voir que voilà, mon strike, je le fais ressortir. Voilà, tout à fait. Mais comme au théâtre, nos textes, ce qu'on prépare, je dirais nos notes, personne ne sait ce qu'on va dire. Donc, on a la chance, il peut pas lire, j'ai pas de prompteur. Donc, tu as le droit à l'erreur, mais il y a que toi qui vas le savoir. Il faut avoir la faculté de pouvoir rebondir. Franchement, on te remercie de cette interview. Moi, c'est Kamel, ton prénom. Kamel Erwan. Erwan. Et puis, Jawed. Séverine. Et Séverine. On accueille les ateliers Didjin en fait et MAO juste à côté, ainsi qu'un atelier d'écriture avec Marco et Chalot. Tout à le détail de tous les ateliers signés sur la petite plaquette. Et puis sinon, bah, c'est tout simple, tu passes la porte, tu es dans les studios. Ok, bon, merci. Moi de rien. Un studio de répétition. Si, bonjour. Là-bas. Bonjour, enchanté. Bienvenue. Et vous avez chanté quoi? Vous entraînez à chanter quoi? Imagine la paix dans le monde. Ok, c'est vous qui l'avez créé la musique? Oui. On peut avoir une petite démo en direct? Ouais. C'est possible? Ouais. Ok, je sais pas. Un homme et une femme, il n'y a pas de différence. Un gars et une fille, c'est ça nos références. Si on se respecte, des hommes auraient une ambiance. Si on s'acceptait dans la vie, c'est confiance.
c'est ça nos références. On est pas pour ton pizza, dans leur tête c'est le bazar. On s'en fout que tu sois une fille, on s'en fout. Moi je me présente Samir, j'habite à la grâce de Dieu, voilà, par... Moi c'est Mathieu, mon blaze c'est Checker, et j'habite à la grâce de Dieu. Okay. Et depuis quand vous faites beatbox? Ça va faire 2 ans à peu ouais, près. Ouais, 2 ans. 2-3 ans. Ouais, 2 ans. Et ça vous est venu comment l'esprit de faire un beatbox? En fait, c'est lui, tu vois, sur son MP3. Il avait un son de beatbox, il m'a fait écouter. Moi j'ai kiffé, j'ai travaillé chez moi, lui chez lui, on s'est retrouvé il y a 6 mois et puis donc. Je vous dis entre Kazé, Youssoufa et moi, on préférait qui? Toi mon frère. Ah c'est gentil de la vie. Si. Les gars, je vous souhaite bonne continuation. Alors peux-tu peux te présenter? Je m'appelle Rim, ouais. J'ai 13 ans. 13 ans. Oh, t'es grande pour 13 ans. Merci. Depuis quand tu chantes? Depuis que je suis petite en fait. Ouais. Mais ça fait pas longtemps que je fais de la scène, ça fait 2 ans. Et le track avant, le track après, non? Ça se passe comment? Toujours le track après moi, c'est bizarre. Toujours le track après. Ouais. C'est à la fin. C'est à la fin? C'est parce qu'en fait, les gens, vu comment ils ont réagi et tout, on a vu comment ils ont réagi et en fait, à la fin, ça nous. Wouhou! Ah d'accord. C'est bizarre, les garçons sont arrivés, se sont levés tout de suite. Ah. C'est moi qui me réveille. C'est qui veut me commencer à parler avec les gens et moi j'essaie de dormir. C'est pas moi. C'est pas moi alors que moi j'étais là ce matin. C'est pas moi. Tu t'en fais, tu parles de plus en plus, t'as vu? Non, c'est toi, vas-y, va là-bas. A remarquer qu'à eux deux, ça entendrait bien parce que c'est des vrais pipelets. C'est les... celui qui crierait le plus fort en plus. C'est les héros de mon futur film, ça. Je les ai là. C'est moi, ce serait bien, hein. C'est moi. AMZB. On m'appelle le Black Blomber. Tant gentil les jeunes d'Argentan là. Ouais. Bah oui, carrément. Et vous, vous venez d'où vous? De Dieppe. De Dieppe, c'est où ça? C'est du. C'est. Hein? Au-dessus de Rouen. Voilà. Direction. Direction. Ah ouais, je peux me filmer moi-même. Ah! Ah, c'est dur! Ah! Ah, ah, elle est fou, hein. Ah, il aime bien. C'est le tunnel de Caen. Voici les stroquins. Elle parle de quoi cette chanson? Elle parle de budget. Pardon. Bon, le quartier. S'il te plaît, hein. Alors faire voir qu'on n'est pas tous des bourrins. Mon rêve le plus cher est de briser cette barrière qui nous bloque du monde meilleur. Tu te dis qu'ici, là, tu vois, dans le monde Mike, là, t'as une pièce de 5 francs, anciennement 5 francs. Quoi. Non, et c'est à cette pièce-là que tu t'adresses, tu vois ce que je veux dire? Là, non. Tu te dis que dedans, il y a un rond de métal, une pièce, et c'est à cette pièce que tu dois envoyer le son. Non, tu vois ce que je veux dire? Par notre parole, brisons cette frontière. Yeah, abdicas. Bien. Je suis pas si mauvais que ça, c'est un bon gars, aucun préjugé dans ma cité, ça donne à mon esprit envie de gaulerie. On peut réussir, on a toutes des opportunités, la vie ne fait pas de cadeaux, les gens te jugent sans te connaître, préjugés à mon sujet, les sens sont hors sujet. Apprends à faire ma connaissance, ouvre tes sens, tu verras. Les gens te jugent sans te connaître, préjugés à mon sujet, les sens sont hors sujet. Apprends à faire ma connaissance, ouvre tes sens, tu verras que je suis pas si mauvais que ça, c'est un bon gars, aucun préjugé dans ma cité. Elle est bloquée. Mais c'est bien là déjà. Déjà tu respires mieux, ouais. Tu vois. Mmh. Tu chantes mieux, ça tranquille, tu vois. Ouais, tu te mets à l'aise. Thank you.
Nos vies sont tellement brèves, si on en fait un film, on l'appellerait tout fragmé. Le courage est de mise, un seul homme visionnaire. J'ai un débit dont ville de Kin, appelle-moi Slumdog millionnaire. Comme tous ceux qui viennent d'Afrique pour rouler en camos, qui grandissent sur une terre battue, mais pas celle de Roland Garros. J'arrose la foi, ce qui m'escorte, comment me projeter. Le bonheur à ma porte, mais faut que je passe le seuil de pauvreté. Je pense à mes oncles sans papier, c'est dramatique, mais pour des paf, ils pourraient reconnaître la grosse Rachida Dati. Oh, on nous baratine malgré l'effort. Pas attendu la crise pour voir que la misère est forte. La Guadeloupe se révolte, la France est éclatée. Tu croyais voir la compagnie créole, t'as eu le LKP. Rescapé grâce au succès, je suis pas un délinquant, mais je reprends le métro pour retrouver l'inspire d'il y a 5 ans. Eh ouais, j'ai changé, je le montre. Désormais j'écris mes textes engagés dans le journal Le Monde. Retiens mon nom d'analphabète, tu veux que je faiblisse. Si c'est traité de combat. Eh, hey, fais un maximum de bruit pour mon autre vainqueur, mon colonel, Kerf de Feu, SB. Début de que t'as commencé, le premier début que t'as commencé dans le rap, ouais. Et à maintenant. Alors, par rapport à l'époque où j'ai commencé, ce qui a changé principalement, c'est la manière dont ma musique elle est portée, parce qu'avant, en vrai, je rappais, c'était pour trois potes, c'est-à-dire ça quittait pas les gens de mon hall, et en vrai, je pouvais dire toutes les conneries possibles. Ça n'avait aucun impact, ni aucune portée. Je pouvais aussi sortir des bijoux de Nico, tout le monde s'en foutait. Par rapport à ta vie d'avant et à maintenant, ça a vraiment bien changé. Oui, je mets un peu plus de temps pour faire mes courses, je veux dire. C'est un peu, oui, c'est des trucs. Et puis quand j'ai cherché mon fils à chez la nourrice aussi, je mets un peu plus de temps. Mais je sais pas, par rapport aux proches, mes proches vraiment qui m'estiment, eux, rien n'a vraiment changé. Après, tout ce qui a changé, c'est que des fois, j'ai des petits... En fait, on peut pas se mentir. Quand t'es connu, après, t'as des petits avantages. Genre, tu vas voyager, on va te mettre en première classe alors que t'as rien demandé. Ouais. Mais tu acceptes quand même. Mais au moins, t'es sorti des quartiers, t'es sorti au moins. Ah ouais, ça c'est l'un des changements majeurs. J'habite plus dans un quartier, alors j'habite pas non plus dans un palace, ouais. Mais j'habite plus dans un endroit aussi difficile. Là d'où je viens à la base quand je suis arrivé en France. Mais ça c'était un objectif principal. Ouais, ça, ouais. Ça a changé depuis quoi, 3-4 ans. Et aussi j'avais une question. La première personne qui t'a fait connaître, qui t'a fait sortir et qui t'a fait sortir de l'inconnu à la... C'est mon producteur actuel qui est pas là aujourd'hui mais qui s'appelle Philo, qui est un ancien membre d'un groupe qui s'appelle Ménage à 3. C'est lui qui a permis de faire en sorte que ça bascule. Il a présenté à pas mal de gens, il a fait écouter des chansons à pas mal de gens, ce qui a fait qu'un moment ça a explosé. Okay. Moi j'ai une question, alors comment ça se passe ce film? Ça se passe super bien. On finit demain par rapport au clip. On a enregistré hier un bout de morceau de chanson au studio avec Darwan. Et on finit demain pour le clip. En quoi tu penses que ça va comment dire ça, aider ou inspirer justement la jeunesse d'Argentan? Ça va falloir qu'on ait des jeunes de quartier qu'on peut s'en sortir, ouais, qu'on peut prouver qu'on peut bouger et de faire voir que même si on vient d'un quartier, qu'on peut réaliser un film, qu'on peut réaliser même un court métrage de 10 minutes, que ça soit propre, carré, et de rencontrer des grandes personnes connues comme toi, Youssoupha. Ouais. On a grand respect envers tous les chanteurs, ah, surtout merci. Toi. Merci beaucoup. Et voilà.